Bonjour, ils venaient de Mayenne, de la Sarthe et même de l'Île-Dieu. 730 jeunes ont participé dimanche 15 juin à Ancenis à Festivolet, une journée de promotion du volleyball en Pays de la Loire pour les licenciés ou non licenciés. La 9e édition de Festivolet était organisée par le club de Riaillé et sur le site du Bois Jauni à Ancenis. Festivolet, c'est un grand tournoi annuel donc, qui réunit l'ensemble des enfants des Pays de la Loire, donc, qui est organisé entre la Ligue régionale donc, qui est l'organisateur général et un club support, donc cette année la CEDE Riaillé Volleyball. Et le principe, c'est qu'on va chercher donc, l'ensemble des enfants donc, depuis le Nord Sarthe jusqu'au Sud Vendée. On les amène sur un lieu de compétition en quart, tout est gratuit pour les enfants, le quart, l'inscription la journée et le soir également ils repartent chez eux. C'est une grande journée de découverte du volleyball qui est ouverte à la fois aux licenciés mais aussi aux non licenciés, donc et après on a des répartitions par catégorie d'âge. Donc voilà, il y a quatre grandes catégories, les poussins poussines, les benjamin benjamin, minime garçon minime fille et les cadets cadettes, et sachant que chaque tournoi est ouvert aux licenciés et aux non licenciés pour essayer de gagner chacun de ces tournois. Les jeunes, c'est très très important, je pense, d'un rassemblement, surtout en fin de saison. Ça permet de clôturer la saison. Et la météo est très gentille aujourd'hui. C'est assez souvent quand même qu'on a de la chance aussi au niveau de la météo. Ça demande une grosse organisation quand même, hein, surtout que c'est toute la région. Sur deux années, l'année dernière et cette année, nous avons un emplacement assez central par rapport à la région, ce qui permet de véhiculer les jeunes beaucoup plus facilement et aussi de faire venir, enfin que les parents suivent leurs jeunes aussi. C'est très important. Ouais, c'est sympa. Hein. Moi, je sais que j'ai baigné dedans aussi, en voyant tout le monde aussi. Ça permet de voir tout le monde. Il y a cette chambre de 700 jeunes, je crois. En ce moment, donc ça permet de voir tout le monde, de tous les départements, et c'est vrai que c'est une fierté aussi d'être parrain d'un tournoi que j'ai vécu. Il faut qu'ils s'amusent déjà, et puis après ils verront ce que ça donne, mais il faut s'amuser déjà, un peu d'amusement, et puis ça passe par des tournois comme ça, c'est toujours plaisant. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient en savoir plus et connaître les clubs les plus proches, rendez-vous sur le site internet de la Ligue régionale de volleyball, www.paysdelaloire-volley.com.